Salut les Aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Je ne sais pas si parmi les Aspinous diagnostiqués à l'âge adulte, certains parmi vous sont passés dans cette espèce d'illusion, celle de se dire qu'à partir du moment où on serait estampillé, que tout pourrait enfin s'expliquer par le prisme du neurodéveloppement, qu'à partir de là, tout se solutionnerait comme par magie. Pour ma part, je reconnais volontiers être passé par là. Mais ça, c'est normal, c'est parce que toute ma vie, j'ai été un petit peu comme dans une quête. À chercher quelque chose d'explicatif qui pourrait venir justifier à peu près tout. Et en fait, comme t'as le sentiment d'avoir été en lutte toute ta vie, le fait de pointer du doigt une part de toi-même que tu ignorais, te laisse un instant envisager une forme de paix envers toi-même. Mais ça, c'est du flan, parce qu'en fait, c'est le début de la guerre. C'est la guerre parce que tu prends conscience de tous les combats que t'as menés jusqu'à présent. Sans avoir une seule fois conscientisé jusque présent que t'étais en mode combat. Et ça, c'est pas évident parce que tu pensais jusqu'alors qu'il te manquait un élément pour atteindre une espèce de complétude. Mais en fait, le truc, c'est que t'avais jamais été incomplet. C'est surtout que t'avais jamais été vraiment toi. Parce qu'en fait, toute ta vie, t'as fait des trucs dont tu percevais pas forcément le sens, mais tu le faisais quand même. Parce que ça correspondait à des exigences, une certaine pression que t'avais sur les épaules, que jamais tu t'étais autorisé à questionner. Mais à partir du moment où t'enclenches le mécanisme introspectif, bah tu te retrouves un petit peu paumé parce que tu sais plus sur quoi t'accrocher. Quels étaient tes ancrages? Qu'est-ce qui relève du choix conscient? Qu'est-ce qui te correspond? Du coup, tu te mets à focaliser à peu près sur tout, sous couvert d'écouter tes propres besoins. Bah pour ma part, je trouve vraiment difficile d'identifier ses propres besoins. En général, j'arrive à ressentir mes propres limites à partir du moment où on a déjà basculé dans l'insupportable. J'ai quand même du mal à déterminer ce qui relève de l'inconfort autistique ou du rejet total d'une espèce de faux self généralisé qui m'a suivi depuis l'enfance et que je ne supporte plus. En fait, je me questionne surtout sur la limite entre le mal-être existentiel et toutes les compensations que j'ai été capable de mettre en place. Ce que je veux dire, c'est que je me demande si tous les petits palliatifs que j'ai mis en place jusqu'à présent, qui me donnaient quelques respirations dans un monde qui m'étouffe, sont vraiment des choses qui me correspondent, ou si elles ne correspondent pas plutôt à des symptômes d'un faux self beaucoup plus général que j'ai décidé de faire valser. Pour être clair, si je dis que je vais écouter mes besoins de manière à me correspondre un peu plus et que du coup je me dirige vers ce qui me fait du bien dans la vie, bah est-ce que ça me fait vraiment du bien ou est-ce que ça ne remplissait pas qu'une seule fonction, celle de compenser une illusion générale? Je crois que c'est hyper important que je me questionne là-dessus. Parce que toute ma vie, j'ai quand même tenu vachement sur un équilibre fragile. Un équilibre fragile parce que ce qui me permettait de compenser mon existentielle solitude et de ne surtout pas la regarder en face, ça tenait pour beaucoup grâce à toute la valorisation que je pouvais recevoir à l'extérieur. Là où j'étais performant, où je redoublais de compétences, où je mettais tout en œuvre pour faire valoir mon potentiel, de manière à être valorisé, apprécié et reconnu. Et je pense que j'aurais été capable de rester comme ça toute ma vie. Avec une espèce de petite voix qui me chuchote de temps en temps que je me fourvoie, que je suis un usurpateur, et que tout ce petit manège ne tiendra pas. Et en fait, la démarche diagnostique, toutes les recherches que j'ai pu mener, tous mes questionnements, me confrontent à une chose. Est-ce que je suis prêt à accepter de faire le deuil de ce que j'étais? Est-ce que me connecter un petit peu plus avec moi-même fait le poids face à l'importance du regard des autres? Alors je vous cache pas que j'ai un peu le sentiment d'être en apprentissage. Et je trouve que ça dure longtemps, cette période. En questionnant mon rapport au monde, je me réorganise. Et comme j'ai pas du tout le sens du rangement, c'est un peu le bordel. Ce qui me questionne, c'est que je sais très bien qu'il y a des trucs qui me saoulent dans la vie. Et que la perspective des efforts que je devrais mettre en place me fatigue à l'avance. Mais il y a quand même des choses qui m'ont jamais saoulé dans la vie, au contraire qui me faisaient du bien. Mais dont l'impérieuse nécessité m'apparaît de plus en plus relative. Et c'est un petit peu chiant parce que comme c'était vraiment ce qui me tenait en équilibre, bah j'ai le sentiment que si je conserve ça, je n'autoriserai jamais un espace de rencontre avec moi-même. N'empêche que tout ça, c'est une sacrée crise existentielle. Si je me réfère à l'étymologie du mot crise, crisis, ça veut dire à la fois jugement et choix. Du coup, je pense que je suis à mon propre procès, dont la sentence me donnera peut-être l'opportunité de faire d'autres choix. Bon, j'ai quand même le sentiment de naviguer en eau trouble. Il y a une espèce de perspective au loin, quelque chose vers quoi je tends, mais qui m'effraie un petit peu parce que c'est inconnu. Je regarde derrière moi, je vois toutes les réalisations que j'ai pu faire, une certaine vision de la réalité qui, malgré tout, m'a correspondu. Il y a des trucs que j'aimais bien dans le mois d'avant, celui vers quoi je tends, j'en sais rien. J'ai un peu l'impression qu'il y a des choses qui vont pas se faire naturellement, et que si je veux me rencontrer un jour, c'est peut-être une décision que je dois prendre.